ça, c'était le matin. Est-ce que ce n'était pas pour infiltrer les manifestants, monsieur le président? Est-ce que ce n'était pas pour les infiltrer? Je dis bien, maître, votre stratégie, je les ai déjà. C'est pour que je puisse m'inciter à dire des choses que vous allez prendre contre moi. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je prends le procès verbal, code 1125. Il s'agit de M. Mamadou Dulde Diallo, qui déclare ceci. Aux environs de 17 heures, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Sécurité d'alors, Abdoulaye Chérif Diaby, est arrivé. Bon, c'est son erreur peut-être. Et s'est mis non seulement à nous injurier, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons vous tuer tous ». Monsieur le Président, est-ce que vous savez que c'est quand le ministre Chérif Diaby est sorti d'une rencontre avec vous qu'il est venu à l'hôpital? Est-ce que vous vous rappelez? Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Il ne vous a pas rencontré ces jours? Posez la question, votre question, maître. Monsieur le Président. Posez bien votre question. Est-ce que il n'a pas reçu les instructions de votre part? En faisant quoi? Quel genre d'instructions? Pour venir à l'hôpital malmener les personnes blessées. Et je vous précise une chose. Non. Permettez-moi, non, je vais préciser. Non. Je vais finir. Permettez-moi, monsieur le président. J'ai déjà dit, c'est déjà négatif. Je dis non par rapport à ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai précisé, je dis préciser l'instruction. Vous dites malmener, je dis non. Ça suffit largement. D'accord, je pose une autre question. C'est une provocation que vous voulez faire. Vous avez répondu, vous avez répondu, je pose une autre question. Quand il est sorti de la rencontre avec vous au camp Alpha Yaya, il est venu à l'hôpital d'Onka avec le béret rouge. Il est rentré à la morgue. Les procès verbaux en font foi. Il a chassé les gens qui étaient à la morgue, là où il y avait les corps. Ça, c'est quand il est sorti de la rencontre avec vous, monsieur le président. Est-ce ce n'est pas vous qu'il avait fait accompagner par ces bérets rouges dans l'intention de cacher les corps, de faire disparaître les corps? C'est la question, monsieur le président. Oui, mais maître, vous savez que monsieur Chérif, c'est un officier médecin assermenté. Et tout ce que vous dites, il a été très clair devant vous ici. Si vous avez quelque chose contre lui, par rapport à tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais parler à sa place. La question je ne vous lui ai donné destinée, aucune instruction. Je ne lui ai donné aucune instruction d'aller malmener les gens. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, après les tirs, quand vous avez appris que les bérets rouges ont encerclé le stade, ils ont tiré, est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Est-ce que vous avez eu peur? C'est la question. J'ai pas entendu des tirs. Dites-moi simplement que quand vous avez appris... Quand vous avez appris que les bérets rouges ont tiré au stade, oui. Est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Le nombre de morts dans... D'abord, dès qu'il y a mort, ça fait peur. Mais c'est naturel. Dès qu'il y a mort, ça fait peur. Vous vous imaginez un cas de mort? Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu peur que le nombre soit trop élevé? Ce n'est pas un problème de nombre.
Ce n'est pas un problème de nombre. D'accord. Je prends le PV. Cote 889. Il s'agit de M. Ba Mohamed qui déclare ceci. Étant dans ce désespoir, grâce à l'intelligence des trois jeunes, nous nous sommes rendus à la morgue de Donka tout en empruntant l'autoroute. Arrivé à la morgue, effectivement, j'ai trouvé le corps de mon fils et constaté une perforation de balle au niveau de sa côte vers le dos. Aussitôt, j'ai sollicité au personnel de la morgue qu'on mette le corps à ma disposition. L'un d'eux m'a dit qu'il faut absolument qu'il soit enregistré avant tout enlèvement et de revenir le lendemain. Le lendemain, en répondant au rendez-vous contre toute attente, je trouve un barrage de béret rouge qui empêchait le passage des gens tout juste près des rails. Voulant leur donner des explications relatives à la douleur dont je ressentais, leur chef a ordonné mon dégagement. À cette occasion, j'ai reçu un coup de crosse sur ma poitrine et je suis tombé. Monsieur le Président, voici le comportement des bérets rouges. Étant le commandant, tant chef des forces armées, nous sommes au lendemain des massacres du 28 septembre. Quelle instruction avez-vous donnée au commandant des camps par rapport à la suite des événements, notamment la sécurisation des corps, la sécurisation des personnes qui étaient à la recherche de leurs parents? Quelle instruction avez-vous donnée? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que les bérets rouges peuvent aller en pleine journée mettre un barrage tout près de la morgue de Donka, un lieu public, en pleine journée, sans avoir l'ordre du pouvoir? Est-ce que cela est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 934. Il s'agit de M. Abdourahmane Baldé qui déclare ceci. Oui, je dois ajouter qu'en allant à Donka, le véhicule de la Croix-Rouge à bord duquel nous étions avait été bloqué par le ministre Claude Pivi. Tous les occupants qui étaient des blessés ont été descendus du véhicule. Il nous a mis tous à genoux avec l'aide de ses compagnons militaires avant de crier sur nous et de nous injurier. Il nous a demandé si nous ne savions pas que Dadis Camara était le seul président de la République, tout en menaçant de nous déposer au camp Alpha Yaya. Monsieur le Président, pourquoi votre ministre de la Sécurité présidentielle va parler de votre nom en agressant, en arrêtant les personnes blessées s'il n'est pas ou il n'était pas en connivence avec vous? Est-ce que c'est possible? Je pense que M. Claude Pivi a été très clair avec vous ici. Si vous prenez des affirmations qui ne vient pas de lui, et vous voulez que je puisse parler de cette déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette lecture que vous venez de faire. Monsieur le Président, ce ne sont pas à ces personnes seulement que le ministre Pivi a tenu ce genre de propos. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de militaires qui massacraient la population ces jours parlaient en votre nom. Pour
Pourquoi ils n'ont pas parlé au nom d'autres personnes? Mais c'est pour cette raison. Tous disaient, vous êtes des ennemis de Dadis. Vous ne savez pas que c'est Dadis qui est au pouvoir? C'est vous qui êtes contre le pouvoir de Dadis. Pourquoi c'est à votre nom que ces personnes-là agissaient? C'est le même pourquoi aussi que je me fais. Pourquoi? Et c'est pour cette raison. Et nous sommes là. Tous ceux qui ont participé à ces actes, le tribunal est là pour résoudre le problème. Et les procureurs, le procureur et les substituts sont là pour tous ces faits. Si vous avez des faits palpables, j'estime que c'est le moment de le faire. D'accord. Je prends le PV 913. Il s'agit de Mademoiselle Tongino Sitan, qui déclare ceci. Étant là, lorsque nous étions dans le comble de l'ambiance, parce que des gens chantaient, dansaient, nous avons entendu des coups de fusil. Lorsque je voulais me sauver, j'ai été prise par des personnes que je ne connais pas. Seulement, la seule remarque que j'ai faite, ces personnes avaient des courroies sur leur tête. Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes dans plusieurs PV dans ce dossier qui déclarent avoir vu votre garde, la garde présidentielle, agir ensemble avec les personnes ayant les courroies sur leur tête. Plusieurs PV. Ma question est la suivante. Est-ce que votre garde peut collaborer ou coopérer, co-agir avec une milice sans votre ordre? Oui, il peut bien le faire. Votre garde peut le faire? Oui, il peut bien le faire. Si vous me posez la question, le oui ou le non, c'est la réponse. Alors, qui avait donné l'ordre à votre garde ces jours de sortir et d'agir avec les milices au stade? Mais cette garde a été claire devant le tribunal, pas devant vous seul, qu'il est sorti à ma recherche. Est-ce vrai que je ne lui ai pas donné des instructions? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous revenez chaque fois sur les mêmes, vous avez donné des ordres. Faites beaucoup très attention, maître, parce que nous sommes devant un procès criminel. Ne faites pas en sorte, parce que vous imaginez, lorsque vous parlez, il y a les substituts du parquet et les assesseurs du président, je ne sais pas, ils sont en train d'écrire. Il ne faut pas me compromettre ici, maître. Ne me compromettez. C'est ce qui fait que généralement je réagis. Parce qu'ils sont là, le président est concentré, le procureur est comme, mais les substituts écrits. Lorsque vous venez de faire une déclaration comme ça, vous avez donné de l'ordre à votre garde. Alors que la garde a dit devant cette barre que je ne lui ai donné aucune instruction. Mais maître, quand même, si vous voulez vraiment, à moins que vous voulez, vous voulez me provoquer, mais ça me crée des problèmes. Parce que tout ce que vous dites, il y a les substituts, il y a les assesseurs qui sont en train, le greffier qui sont en train de noter. Vous pensez que c'est au hasard? Donc posez des questions, ce que les accusés ont dit ici. Mais ne dites pas que votre garde a dit ou bien que vous avez donné des ordres à votre garde. Parce que si vous dites ça, ils vont prendre maître tel, ils vont écrire. Ça va compliquer les choses. Monsieur Camara, il a le droit de poser des questions. Et ces questions, ça ne veut pas dire, parce qu'on est en train de noter par là, ça ne veut pas dire que les questions qu'il pose, ce sont, c'est de facto, ça vous enfonce de facto. Ça ne veut pas dire que de facto, le tribunal les prend en compte. Le tribunal apprécie tout ce qui est en train d'être dit ici. Merci, il pose monsieur des Dupré. Questions, c'est pourquoi je dis qu'il pose des questions et vos réponses sont pour le tribunal. Okay. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer et de répondre aux questions. D'arrêter de faire les commentaires des questions.
répondez tout simplement aux questions, parce que c'est ce que le tribunal prend en compte, ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous dites, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour le tribunal, ça ne veut pas dire que c'est faux pour le tribunal. Le tribunal apprécie souverainement tout ce qui est en train d'être dit dans cette salle. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Donc, contentez-vous de répondre aux questions. Les questions ne doivent pas vous blesser. Les questions ne doivent pas vous offusquer. Parce que ce sont des questions qui ne sont pas offensantes. Ce sont des questions simples qu'on est en train de vous poser. Contentez-vous de les répondre. L'appréciation, c'est le tribunal qui le fait. Et de façon très souveraine, de façon très indépendante. Rassurez-vous de cela. Continuez, maître.